Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on est dehors, il fait frais, on change un petit peu le décor. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer un shampoing qui est totalement ouf. C'est le Koch Chemie. Alors ça se prononce certainement pas comme ça puisque c'est allemand, si je dis pas de bêtises. Nano Magic Shampoing, donc vous l'avez compris, c'est un shampoing à base de céramique. Et ce produit là les amis, je vous le dis, il est mieux que celui-ci. Et pourtant, Dieu sait qu'on a eu du mal à trouver mieux que ce hybride solution de chez Turtle Wax. Vous le savez, ça c'est un produit que j'ai adoré, qu'on a validé vers le mois de juin. C'est un produit qui est dingue, qui marche super bien, qui donne un bel effet brillant, un beau côté hydrophobe. Et bah les amis, celui-ci est encore mieux. Alors je vous le dis tout de suite, on va pas retirer celui-ci de la boutique parce que vous avez été très nombreux également à l'adorer. Donc moi j'ai trouvé ma préférence sur celui-ci. Pourquoi? Parce que je trouve que l'effet de profondeur de la brillance est accentué. Je trouve également que le côté hydrophobe est un tout petit peu mieux. On n'a pas grand chose d'écart, mais c'est vraiment sur la brillance et la profondeur que je trouve qu'il est vraiment devant. Et surtout, on est moins cher. Ici, on est à 1,53€ le lavage si on utilise un seau de 10 litres. Et ici, on est à 1,06€ le lavage, toujours pour un seau de 10 litres. Ce produit-là est plus concentré que celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris également mon temps pour les départager, puisqu'il a fallu calculer également le coût au lavage, etc. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes concentrations, on n'est pas sur les mêmes flacons, donc des fois ça peut un petit peu influencer. Là on se dit ouais, mais on en a plus pour notre argent, alors qu'en fait pas du tout, puisque la concentration est deux fois inférieure sur celui-ci, donc on met deux fois plus de produits que celui-ci. Donc nous on a calculé le coût au lavage, 1,53€, 1,06€. Personnellement je trouve que la profondeur de la couleur est beaucoup plus jolie avec celui-ci. Ici on a une odeur bubblegum, ici on a une odeur un peu mangue pomme. Donc voilà un petit peu les différences. Et étant donné que la différence n'est pas flagrante, en plus de ça aujourd'hui on n'a pas de soleil puisqu'on rentre dans l'hiver, et ben on a décidé de vous laisser les deux sur la boutique et on va vous laisser départager lequel vous préférez de ces deux, donc le Koch Chemie ou le Turtle Wax. Donc les amis, les deux vont être disponibles sur notre boutique officielle www.maitlegarage. Bien évidemment les deux auront le lien en description de la vidéo. Et vous jugerez, vous noterez celui-ci. Et si vous avez le même avis que moi, alors celui-ci quittera la boutique et celui-ci restera sur la boutique. Donc les amis, comme je vous ai dit, impossible de départager sur un écran d'ordinateur les deux. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc moi, je vais juste vous faire une démonstration de celui-ci côté hydrophobe, brillance. Et vous allez voir qu'il est juste dingue. Donc les amis, c'est parti. On attaque le lavage. Donc là, on va faire un petit canon à mousse parce que la voiture a dormi sous les feuilles. Donc elle est vraiment très sale. En plus de ça, vous allez avoir une petite surprise avec le canon à mousse. Tous les liens sont en description de la vidéo. Ensuite, on va faire les jantes. Les jantes, je vais également en profiter pour faire de nouveaux tests produits. Donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres produits qui vont arriver dans cette vidéo. C'est des tests, pour l'instant ils ne sont pas validés. Et bien évidemment ensuite on passera au lavage et là vous allez voir, il est dingue. La senteur est super agréable, il est vraiment super chargé en céramique, c'est à dire que si vous mettez pas de gants, vous sentez vos doigts qui glissent. Donc je vous conseille plutôt de mettre des gants pour l'utilisation. Le rendu est juste magnifique. Pour moi la différence se fait vraiment sur les teintes sombres parce qu'on va vraiment venir accentuer la brillance, la profondeur de la peinture. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voiture là pour vraiment vous montrer les qualités de ce shampoing là et encore une fois pour moi c'est impossible, si je vous fais une portière et l'autre avec celui-ci, de vous le départager sur une caméra. Nous, on a vraiment pris différents angles, etc. Ça fait des mois qu'on le teste. On avait du mal à les départager. Moi, j'avais une préférence pour celui-ci. On a départagé au niveau du prix. Celui-ci est également devant. Donc, pour moi, celui-ci a tous les atouts pour venir battre celui-ci. Mais maintenant, on a besoin de votre avis. Donc, les amis, ça, vous pourrez le donner par la suite. Mais aujourd'hui, je vous fais une démo. C'est parti. Donc là, les amis, on va attaquer le nettoyage des jantes. Et je vais inclure également un petit test de décontaminant ferreux. C'est parti. Donc là, j'utilise le Dodo Joyce, qui est juste un nettoyant jante et un décontaminant ferreux. Et à l'avant, je vais tout simplement utiliser un décontaminant ferreux de chez CarPro en concurrence avec le décontaminant ferreux de chez Dodo Joyce. Donc là, je laisse mes jantes express sales. Là, je vais vraiment tester le côté décontaminant ferreux de ces deux produits. Donc nous, actuellement, on avait le Dodo Joyce qui fait carrosserie et jante, et là on teste le Ironix de chez CarPro qui fait également jante et carrosserie. Donc là c'est vraiment des tests que j'inclus dans des vidéos, je vais pas vous en parler plus. Vous allez certainement voir comme ça au fur et à mesure des vidéos des tests qui vont arriver comme ça mais qui seront pas forcément sur la boutique, c'est qu'ils n'ont pas été validés, donc qui n'ont pas battu le produit qui est actuellement sur la boutique. Et là du coup le ferrous dilueur de chez Dodo Joyce. On a un produit qui est beaucoup plus épais, beaucoup moins liquide. Mais encore une fois, nous ce qu'on veut, c'est la qualité. Donc
Ils vont être mis à rude épreuve sur de nombreux tests. Et les amis, on verra bien au bout de plusieurs mois lequel est le mieux et lequel prendra sa place ou non sur notre boutique. Bon les amis, pour vous montrer un petit peu la qualité de ce shampoing là, ça fait plusieurs fois qu'on n'a pas utilisé de cire céramique sur cette voiture là pour tout simplement la purifier entre guillemets, pour vous montrer le avant et le après quand on passe de rien à un shampoing céramique. Donc là vous voyez, on n'a quasi pas d'effet déperlant. Il faut vraiment attendre très longtemps pour qu'un effet déperlant arrive, parce qu'il doit rester un tout petit peu de shampoing Turtle Wax de il y a 2-3 mois. Mais vous voyez bien, mis à part 2-3 exceptions, ici on a un film d'eau continu qu'on peut bien observer sur la carrosserie. Donc là, on va appliquer la mousse active et ensuite on va passer le shampoing céramique de chez Koch Chemie et vous allez voir, c'est bluffant. Bon les amis, ça y est, on va passer au shampoing Koch Chemie Nano Magic Shampoing. Donc là, on va mettre 50 ml de shampoing par dose de 10 litres d'eau. Moi, c'est un seau de 20 litres, donc 100 ml. Donc pour vous montrer qu'on va pas truquer le résultat, je prends un verre doseur que je vous conseille vivement d'avoir parce que ça fait faire des économies, ça évite de trop mettre de produit et donc entre guillemets d'en gaspiller. C'est un shampoing qui a une couleur verte et qui a une odeur vraiment, vraiment prononcée bubblegum. Donc vous allez voir, dès que je vais mettre le shampoing dans l'eau, il va immédiatement se mélanger et colorer mon eau. Et là, vous allez voir, au moment où je vais l'introduire dans l'eau, immédiatement, mon eau va se colorer. Voilà, vous voyez, ça fait un petit nuage comme ça dans l'eau. Donc là, moi, j'ai 4 doses parce que c'est un verre doseur de 25. Voilà. Donc là, vous voyez, le shampoing, on a vraiment un aspect un peu gras. Sur le shampoing, je sais pas si vous voyez au niveau du verre doseur, et ça vraiment ça se ressent quand on l'applique au gant, on a vraiment un shampoing qui glisse, c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc là on mélange et là on a un seau totalement vert intérieur et extérieur pour le coup. Voilà, donc là c'est parti, on va l'appliquer. Et là vous voyez quand on l'applique, alors c'est pas un shampoing qui mousse beaucoup, un peu comme le Turtle Wax. Et d'après ce que certains chimistes nous ont dit, il paraît que tous les shampoings céramiques moussent très peu, parce que la céramique, les agents de céramique empêchent un petit peu ce côté moussant. Donc on a quand même un petit côté moussant un peu plus prononcé que le Turtle Wax, sans être non plus démoniaque. Par contre ce qui est vraiment intéressant, et je trouve qu'est immédiatement mieux que le Turtle Wax, c'est l'effet de glisse qu'on a sur la carrosserie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vraiment l'impression que le shampoing est gras. Donc c'est assez impressionnant, ça glisse tout seul. Et donc les amis, je vais vous faire juste l'aile arrière et la portière. Et je vais vous montrer immédiatement
le côté hydrophobe qu'on va retrouver, sans vous parler de la brillance, parce que la brillance, on va le voir après. On va sécher le véhicule, on va le mettre sous le panneau LED et vous allez pouvoir voir par vous-même la brillance du véhicule. Sachant que sur ce véhicule-là, j'ai fait absolument aucun traitement du vernis. Il est absolument d'origine comme je l'ai acheté. Et pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, ils savent bien que le véhicule est loin d'être parfait. Il y a un gros boulot de mise en état de la carrosserie dessus. Allez, je vous rends cette partie-là et vous allez voir immédiatement le côté hydrophobe totalement fou. Et regardez immédiatement comment l'eau s'échappe et laisse apparaître la carrosserie sèche. C'est-à-dire que le turtle wax va déperler par goutte. Là, il déperle par zone. Vous voyez les grosses zones. Et dans ces zones-là, on voit qu'il n'y a plus du tout de goutte. Donc en fait, le mode de déperlance par rapport au turtle wax est totalement différent. Le turtle wax va faire glisser l'eau et va laisser des gouttes. Celui-ci va mettre plus de temps. Par contre, il va venir s'agrandir par auréole. Et en fait, à l'inverse, il laisse beaucoup moins d'eau sur la carrosserie. Et moi, je préfère nettement celui-ci, surtout au niveau de la profondeur de la brillance. Immédiatement, là, vous voyez, si on regarde mon reflet dans la carrosserie, on n'a rien fait, juste mis un shampoing. Et immédiatement, on a l'impression qu'on a lustré le véhicule. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la carrosserie, c'est devenu un miroir. Pourtant, elle est loin d'être parfaite. On a des micro-rayures partout. On a même un petit peu de peau d'orange ici. Et immédiatement, regardez, la carrosserie est un miroir complet. Et vraiment, il est impressionnant pour ce brillant et la profondeur qu'il donne à la peinture. Regardez sur la portière, ça va être exactement la même chose. Alors sur les vitres, c'est impressionnant. Vous avez vu, sur les vitres, ça s'écoule à une vitesse incroyable. Et sur la carrosserie, bah regardez, on a exactement la même chose. Ça va super vite. Voilà, vous allez voir, fout, l'eau, ça s'en va vraiment par nappe en fait. On n'a pas un ruissellement par goutte, on a des nappes qui se forment et qui ruissellent sur la carrosserie. Et vous voyez, ma portière, elle est quasi sèche. Il est vraiment incroyable. Donc les amis, on va nettoyer tout le véhicule et on va se retrouver pour le rinçage pour vraiment vous montrer ce côté hydrophobe. Et après, on passera à l'intérieur pour vous montrer également ce côté brillant et profondeur dans la peinture. Les amis, vous avez vu pendant le lavage, vous avez pu apercevoir vraiment le côté hydrophobe dingue de ce shampoing là. Là, immédiatement, on voit la brillance du véhicule malgré la faible luminosité. Je vais reprendre exactement le même exemple qu'on a pris en début de vidéo pour vous montrer. Avant, on n'avait pas de côté hydrophobe. Regardez maintenant sur l'aile. Voilà. Et là, immédiatement, regardez comment ça déperle à une vitesse. C'est incroyable. Et en fait, ça déperle pas pareil comme le. Et en fait, ça déperle vraiment pas comme le turtle wax, vous voyez. Ça fait vraiment des auréoles qui se rétrécissent et qui viennent couler. Et on a des zones qui n'y a plus du tout d'eau, quoi. C'est. Franchement, il est assez impressionnant. Et encore une fois, regardez la brillance qu'on a sur la carrosserie. Carrosserie qui est bourrée de micro-rayures, qui n'a jamais reçu aucun soin de ma part, puisque ça va venir très bientôt en vidéo. Mais voilà, c'est vraiment, il est bluffant. Une fois que le véhicule va être séché, vous allez voir la brillance qui va remonter, ça va vraiment se voir. On rentre le véhicule et on vous montre vraiment sous la lumière ce que ça donne.
amis, ça y est, on se retrouve à l'intérieur du bâtiment sous la lumière dédiée à ce genre de vidéo. Et là, on remarque immédiatement une voiture qui brille de mille feux, une carrosserie qui est super douce. Le côté hydrophobe, vous l'avez vu juste avant, dehors. Alors, bien évidemment, on va vous faire quelques petites images pour que vous vous rendez compte un petit peu de la profondeur, de la brillance de la peinture. Bien évidemment, elle est bourrée de micro-rayures puisque, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo-là, la carrosserie est d'origine du véhicule. Je n'y ai pas touché, je n'y ai pas apporté de correction ou quoi que ce soit. Donc, elle est bourrée de micro-rayures et d'ailleurs de rayures tout court. Donc ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo avec des tests produits de polish. Là aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur ce shampoing, donc la brillance et la profondeur de la peinture. Encore une fois, il n'y a pas de shampoing miracle qui retire les rayures, qu'on soit d'accord. Donc là, on voit immédiatement le reflet de la voiture qui brille. En fait, on a l'impression qu'on a posé tout simplement une cire céramique dessus, quoi. C'est impressionnant, sauf qu'en fait, on a juste posé un shampoing, le Koch Chimie. Donc les amis, je vais vous faire un petit peu venir sur ce latéral ici. Et là, on voit immédiatement, en fait, la brillance quand on se retire de la lumière. Donc là, on a plus, on peut pas dire que c'est le spot LED qui va donner cet effet-là. Mais regardez un petit peu sur cette zone-là. On voit uniquement mon reflet dedans. C'est incroyable. Regardez. C'est le niveau de détail. Alors, si on s'approche, on va bien voir que c'est micro-rayé de partout. Mais en fait, ça donne vraiment une profondeur à la peinture. Et je trouve ce shampoing-là juste dingue. Et juste au-dessus, on peut voir le rétro. Si vous vous souvenez, en début de vidéo, on a l'impression que le rétro est beaucoup plus noir qu'il ne l'était au début de la vidéo. La profondeur du noir a totalement changé. C'est vraiment ce que j'adore sur ce shampoing-là. C'est vraiment la profondeur qui va donner à la peinture, l'aspect vraiment brillant qui va donner à la peinture et son côté hydrophobe qui est vraiment surprenant. Donc les amis, je vous laisse faire le tour du véhicule avec des belles images pour vous rendre compte vous-même de l'état impressionnant de la carrosserie avec juste un petit lavage. Je pense que vous êtes rendu compte un petit peu de la brillance du véhicule. Donc bien évidemment, ça ne retire pas les défauts, mais on a vraiment une couleur qui est transformée par rapport au début de la vidéo. Alors bien évidemment, on va parler prix maintenant, parce que vous allez certainement me demander combien coûte celui-ci. Je vous ai parlé du prix au lavage, parce que c'est vraiment ce qui a été déterminant, nous, pour faire nos tests produits. Et là, on est à 15,90€ pour 750 ml de produit. Donc il est beaucoup plus concentré que le Turtle Wax. Donc c'est aussi pour ça que le flacon est plus petit. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien évidemment, tous les liens des produits utilisés seront en description de la vidéo, à l'exception des produits qui ont été incorporés en test, donc qui ne sont pas encore validés. J'espère également que cette petite vidéo avec la découverte de ce produit-là vous a plu et j'espère que les couleurs de cette 760 Li moteur V12 vous a plu également. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochains tests produits, mais également pour de la mécanique. Allez, à très vite. Ciao.